10h37 sur Europe 1 et nous sommes le samedi 16 septembre. C'est donc aujourd'hui, Alexis, la journée mondiale de nettoyage de la planète. Oui, le World Cleanup Day. Plus de 2000 points de ramassage des déchets organisés partout en France. Certains n'ont d'ailleurs pas attendu le jour J pour se lancer. Hier, la start-up EcoTree a réuni 120 personnes dans le 5e arrondissement de Paris, dont une classe de CP. Reportage pour Europe 1 de Camille Moreau. Sac poubelle en main, gants de protection et casquette vissées sur la tête, les CP de l'école Sœur Rosalie sont motivés. Est-ce que vous êtes prêts à ramasser les déchets ? Oui ! Ni une ni deux, ils partent en courant. Mégots, bouchons en plastique, papier, aucun déchet n'échappe à leur filet. Leonardo, 6 ans, a la solution pour sauver la planète. Moi, je dirais qu'il faudrait arrêter de jeter les déchets par terre parce que après, la terre peut trop polluer et on pourrait plus vivre sur elle. À l'origine de cette action, la start-up EcoTree, dirigée par Pierre-François Dumont-Saint-Priest. L'idée de cette action, c'est de sensibiliser un maximum et amener les gens à être plus responsables. Quand on voit l'impact de l'homme sur son environnement, il est important aussi d'agir, donc naturellement on a envie de proposer à tout le monde de faire sa part. Message reçu pour Angèle. Attention, attention, attention à la planète. Très souvent on nous le répète, on nous dit d'être écolo, ça peut tout changer. Voilà, et à la fin de la journée, 30 sacs de 50 litres ont quand même été ramassés par les participants.